Putain, il manquait plus que ça, quoi. Puis finalement, il n'y a pas un de ces connards qui a pensé emmener une trousse à pharmacie, quoi. Si je m'en occupe pas. Putain, pourquoi j'en ai tous ces branques, quoi. Oh, ben moi, une trousse à pharmacie. Oh, je vois pas à quoi ça sert, hein. Je peux pas mettre mes chaussures dedans, hein. Oh, ben moi, une trousse à pharmacie, je trouve ça cool, hein. Il y a des capotes dedans, hein. Capotes, boobs, 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 boobs. Hein, tu vois, mec. Moi, ma seule pharmacie, c'est la Marie-Jeanne, tu vois. Et moi, Constance, je trouve que les pharmacies, ça peut être très pratique. On peut peut-être trouver un truc pour m'aider à enlever le balai que j'ai dans le cul, hein, peut-être. Hein. C'est toi? Je me suis promis. Ça fait 50 fois que je fais le tour et je retourne toujours au même endroit. Heureusement que je t'ai entendu. Franchement, j'ai cru que j'allais crever. Oh putain. Mich! Attends! Oh! Oh putain là, tu m'as fait peur là. Mais putain, mais calme-toi, merde. Oh! Hé, vas-y. Vas-y, regarde ce que j'ai filmé là. Vas-y, tiens. C'est... Non, écoute, c'est trop le bordel dans ton truc là. On voit rien. C'est cinglé là. Cinglé, il était là. Non mais là, je te jure. Non mais il est habillé genre mariage. Bon, écoute mec, tu me chies, là. Alors va te reposer. Non mais, okay. Non mais je suis peut-être con, mais je suis pas cinglé, c'est bon. Écoute, on voit rien, d'accord? Je vais mater ton truc, on voit rien. Alors, si tu veux, je vais bien vérifier plus tard. Mais en attendant, branche le bordel. On va se reposer, ok? Mich, oh, oh. Mich, regarde-moi. On va se reposer. On a tout un week-end à filmer, hein, je peux signer. Ah non, Mich, tu vas pas remettre ça, quoi. Attends. Tiens. Là, regarde. Ok, c'est bon. Oh, c'est bon. Je regarde, par contre maintenant tu la fermes parce qu'il y a Louisa qui dort à côté. Ok? Tu ferais mieux d'en faire autant. Il me saoule avec des conneries là. Putain, mais ça ferait une super vidéo nature découverte ça. Mais mec, je vais t'acheter le Kick-Scoot quoi. Là, félicitations. Vas-y. Attends, on la regarde au ralenti. Non, Mich. Mich. Non, Mich, on ne la regarde pas au ralenti. Parce que regarde, tu pulls shit. Et c'est une alu. Mich, s'il te plaît, va te reposer. Bon, écoute, si tu veux, je garde ton téléphone. Je me refais le film. Et si je vois un truc bizarre dessus, ben, je te le dis. D'accord? En attendant, s'il te plaît, va dormir. Oui. Par contre, j'ai pas envie de dormir. Mais j'ai très soif. Ah bah tiens, t'as réveillé toi. Mais en tout cas, si c'était une alu, gigantissime. Effrayant. C'est effrayant. Ouais. Je pourrais plus bander de la vie, mec.
Comme si tu t'en servais, mec. Mais tu dors pas, toi, la princesse du bois normand. Non, mais toi et Constance, vous êtes faits, mais l'un pour l'autre, aussi débiles l'un que l'autre. Non. Déjà, ils ont même pas le même cinémaste préféré. Ah oui. Bon, et toi, là, ça va mieux, alors, du coup? Ouais, ça va. Un petit peu de maquillage, je suis au top. Ouais, et ben moi, par contre, j'ai soif, hein, et j'attends. Il attend. Et je suis passé. Boum. Ah, je suis gentil. Tu cherches quoi, chérie? Bah, la flotte, elle est où? Elle est dans la rivière. Vous avez mis là-bas pour qu'elle sorte. Dans la rivière? Pour qu'elle sorte. C'est joli. De l'eau, mais depuis quand tu bois de l'eau? Ah non, mais c'est bon, et j'arrête l'alcool. Alors tout à l'heure, j'ai eu une nuit malade dans la forêt. Non, stop. En parlant des nuits malades, le bédo, stop. Non, mais stop, je perdais mes cheveux. Oh, je perdais mes cheveux. Mais tu l'as, ta perruque de mort, là. Non, tu sais à quel point les cheveux, c'est important. Et what you me. What you me. Putain, tu peux poser ça avant de faire de la merde. Oh, c'est bon là. Tiens, va ta flotte. Ah ouais. Oh ouais, merci mec. Votre délicieux breuvage, monsieur. Oh, je vous en remercie. Mais cette goulée n'a aucun quai. Oh, est-ce que vous voulez un autre verre? Oh, oh oui, bon volontiers. Monsieur, et qu'est-ce que vous avez au bras? Rien, je me suis gratiné, laisse tomber. Fais donc voir ça. Rien, je te dis, aïe putain, mais t'es con quoi. Rien, je te dis, je me suis juste écorché avec ce con de filet à poisson là. Ah, c'est vachement drôle, c'est putain, vraiment ça quoi. T'es pas tout. Et par contre, je te préviens là, hé, tu fermes ta gueule, ok? Parce que si Louise elle apprend, elle va me faire chier toute la journée. Là, c'est chiant comme ça. Soignez votre vocabulaire, je ne vous permets pas. Laisse tomber. Par contre, vous pouvez aller me chercher mon journal. Alors, c'est votre journal, on est bien d'accord? Oui. J'ai bien compris. Tout à fait. Ok, alors qu'est-ce qu'il foutait dans mon matos vidéo? Ah, mais... Hein? Ça vous regarde pas, monsieur. Je te préviens que si je trouve des traces de quoi que ce soit sur la caméra, c'est toi qui rembourses, hein. Et c'est pas avec ce que tu gagnes avec tes vidéos que tu vas y arriver, à mon avis. Alors, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Okay. Oh, des boobs. Putain, c'est quoi ce bordel? T'es là? Oh mais je pensais plus te revoir. Oh mais je t'ai retrouvé quoi. Non mais... Oh yeah. Et t'as pas vu mon copain Jules par hasard? Hein? Vous allez finir par tout faire foirer, il faut être plus discret. D'accord? Sinon on va finir par se faire quelque chose. Bébé! Où tu parlais? Non rien, je réfléchissais à un plan pour tout à l'heure. Tu sais, je dois faire la vidéo d'intro encore et... J'ai trouvé un spot super, tu veux venir le voir? Ouais. C'est près de l'étang et il se passe un truc énorme. Putain, t'es quoi toi? Marie-Louisa! Ah, tu
fais-moi le malin, la connard. Allez, viens. Vas-y, vas-y, vas-y. D'accord, là. Sommet à jamais.